Amis du rôlisme et du ludisme, je vous salue bien bas. Bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant le jeu de rôle en solitaire et les outils pour l'improvisation de manière plus globale. Si la première vidéo avait pour objectif de poser le cadre ou d'expliquer quelques notions, ce deuxième opus va se concentrer sur certains outils qui peuvent nourrir votre pratique et vous aider à poser des situations ou des rebondissements. Concrètement, je vais vous montrer quelques ressources que j'utilise ou dont j'ai pas mal entendu parler. La majorité, je vais essayer de vous présenter les choses en français, il y aura un petit peu d'anglais et des choses gratuites, des choses payantes, mais tout est de très bonne qualité. Toute transition. On va commencer par Chartopia. Alors Chartopia, c'est un site internet gratuit d'utilisation qui regroupe des tables aléatoires. Donc en français, en anglais, la majorité en anglais. Ce sont des tables aléatoires pour trouver un petit peu tout et n'importe quoi, que ce soit des noms de lieux, des monstres à rencontrer, des objets, des trucs dans vos poches, etc. Voilà. Dès que vous avez une question de qu'est-ce que je peux trouver, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je rencontre, des choses un petit peu comme ça que vous ne pouvez pas gérer tout seul, auxquelles on peut pas répondre avec un oui ou un non, une question ouverte en fait, eh bien Chartopia peut vous aider. Par exemple, vous avez besoin d'un nom pour un PNJ que vous rencontrez, vous faites un petit name generator. Tac, name generator, on lance, voilà. On a le nom de famille, on a un prénom, on a un nom de clan, voilà. Ça vous permet de créer rapidement un personnage comme ça, sans avoir à chercher trop longtemps des noms. Ça peut aussi vous aider, bah, par exemple, pour trouver des objets. Loot. Voilà. Nothing, pas de chance, hein. Voilà, vous trouvez plein de choses comme ça. Faut bien fouiller. On a des trucs super sympas là-dedans. C'est très pratique pour servir dans les questions ouvertes. Quand on est face à quelque chose qu'on n'arrive pas à anticiper et qu'on veut se laisser surprendre, la table aléatoire, comme ça, elle peut vraiment nous surprendre. Il y en a pour un petit peu tout. Je vais vous montrer celle de Iron Sworn. Je sais que je reviens beaucoup dessus, mais je trouve qu'elles sont très bien faites. Donc ça, c'est les tables qui sont faites pour Iron Sworn. Les tables ici sont en français. C'est génial. Je crois que c'est Angela qui les a faites, d'ailleurs. Oui. Et donc, eh bien, vous avez des trucs intéressants pour n'importe quel jeu de rôle à l'intérieur. Par exemple, action plus thème. Défendre, déclin. Ça peut vous servir pour n'importe quel jeu. Vous voulez lancer une partie, vous ne savez pas trop vers quoi vous commencez. Vous lancez le thème déclin, action, défendre. Ça peut vous donner des idées pour vous lancer. Je pourrais lancer un autre d'ailleurs. Acquérir, et le terme c'est perte. Ça va bien ensemble, ça c'est marrant. Vaincre, religion. Voilà, vous avez des thèmes comme ça à lancer qui peuvent vous donner des idées. Lieu et description, par exemple, c'est très sympa. Un bois large, des rapides verdoyants, un col enclavé, etc. Bon, c'est très orienté Medfan, mais vous allez voir qu'après, on peut adapter. Des noms de villages, des troubles. Celui que j'aime bien, par exemple, c'est... Il y a un générateur de PNJ. Création rapide de PNJ, voilà. Alban est un pêcheur jeune, redoutable, il est exigeant, neutre envers vous. Objectif, trouver une personne. Voilà. Là, vous avez, en un clic, tout un PNJ qui est généré pour un monde Medfan. Après, ça demande une adaptation pour d'autres univers. Pêcheur, on peut le garder. Exigeant, neutre, je trouve. En fait, ça peut rester même pour quelque chose qui n'est pas Medfan. Vous avez là, également un oracle pour les rebondissements majeurs. J'aime beaucoup celui-ci. Vous avez besoin de relancer quelque chose, de relancer l'intrigue. Il y a eu un échec qui fait que vous avez besoin de relancer un petit peu votre aventure. Eh ben, le rebondissement est fait pour ça. Un sombre secret est révélé. Un piège est déclenché, un ennemi dangereux est révélé, etc. Et à partir de là, ben, vous pouvez relancer un petit jet sur action thème pour avoir une idée de ce qui se passe. Le dernier que j'aime bien, c'est consulter l'oracle. Consulter l'oracle, c'est fait pour les questions très fermées. Oui, non. Vous déterminez à l'avance si votre question a plus de probabilité d'être oui, non ou 50-50. Est-ce que mon auberge est bondée? Probabilité que oui, on est en week-end, disons. Probabilité que non, parce que bah, y a la guerre autour, donc les gens ont peut-être pas envie de sortir le soir, voilà. Improbable, probable, 50-50, vous lancez le jet, et vous voyez que bah, voilà, selon ce que vous avez choisi comme probabilité, vous avez oui ou non qui est déjà déterminé. Et quand vous tirez plusieurs fois, vous voyez, les résultats sont différents, ou peuvent être différents. C'est très utile pour les questions fermées. Ensuite, si vous avez des questions fermées, mais qui ont besoin d'être un peu plus nuancées, comme oui et non et, ou que vous voulez avoir plein d'idées dans un minimum de place, je vais vous montrer le Saint Graal, messieurs dames, Musée Oracle. Alors attendez, je vous montre ça. Hop, transition. Musée Oracle, qu'est-ce que c'est? C'est un tarot de 200 cartes, je crois, de mémoire, avec plein d'informations dessus pour gérer tout ce qui est l'improvisation et le jeu de rôle en solitaire. Alors regardez bien, c'est extrêmement bien fait.
Vous avez tout autour, déjà, pour chaque carte, vous avez des mots-clés. Perfide, pH, médicaments, jeûne, sobriété, déclin. Ça, c'est la carte numéro 1. D'accord? Vous avez des mots-clés qui peuvent vous servir à improviser, à générer de l'imagination. Par exemple, vous vous dites, ben, je vais prendre un mot sur cette carte-là, puis après, je vais changer de carte, je vais prendre une au pif, je vais prendre ici. Maximum, voilà. Ou je vais prendre charade, constellation, et je vais changer de carte, je vais prendre proie, foule, voilà. Ces mots, vous allez les prendre, vous allez les mettre ensemble, ça va vous aider à générer un petit peu quelque chose, à créer de quelque chose, à stimuler votre imagination. Vous avez sur une carte de musée oracle une réponse en oui, non, oui, et, non, et, oui, mais, non, mais. C'est un peu plus créatif que juste oui et non. Pourquoi? Est-ce que mon auberge est bondée? Oui et. Oui et, il n'y a absolument plus de place pour que je m'installe, on me demande même de partir. Déjà, ça va créer du jeu. Non et. Non, elle n'est pas bondée et elle est même fermée parce que le propriétaire n'a pas payé la dîme qu'il doit au royaume qui a augmenté dernièrement et tout le village est à sec. Voilà, et ça crée des problèmes, ça crée des troubles. Non, mais elle n'est pas bondée. Mais il y a quand même des gens un petit peu étranges qui y sont, et qui sont tous... En fait, tout le monde est concentré au même endroit dans la taverne. C'est un petit peu étrange. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils regardent tous, en fait? Vous voyez? Juste un non et oui, mais ça génère déjà de l'histoire avec une situation de base, qui est mon auberge est-elle bondée. Déjà, on crée une petite interaction, on crée quelque chose assez rapidement. Vous avez une direction, vous avez une difficulté. Vous voyez qu'on peut aller à 4, 3 étoiles, 2 étoiles, etc. Ici, des icônes, ça peut ressembler un petit peu à ce que vous avez sur les Rory Dice. Vous savez, c'est des qui ont des icônes qu'on va lancer, et avec les résultats, les images qu'on obtient, on crée une petite histoire. Et bien, si vous n'êtes pas inspiré par des mots, vous pouvez être inspiré par des images. Par exemple, vous avez le tonneau, vous avez le casse de chevalier, et le cavalier. Ben voilà, on a peut-être un chevalier, à cheval, qui va livrer quelque chose dans un tonneau, qui essaie de cacher dans ce tonneau, qu'est-ce qu'il transporte, pourquoi c'est un chevalier qui va transporter des tonneaux, pourquoi c'est pas juste un paysan comme on a l'habitude, voilà. Vous avez une petite intrigue qui peut se créer autour de ça. Des verbes, des actions, tuer, créer, restaurer, c'est très intéressant pour créer une accroche de scénario, ces verbes. Des actions, c'est toujours mieux de toute façon, ça porte bien son nom, action, un verbe. Vous avez ensuite des mots pour des lieux, des personnages, des objets, le temps qu'il fait, la météo, un sentiment et une posture par rapport à vous. À chaque fois, ça varie. Vous pouvez combiner tout ça. Vous prenez le fermier sur cette carte, vous prenez l'écharpe de cette carte-là, vous prenez... on va changer. Vous prenez, je sais pas, un certain... Et vous avez déjà un PNJ qui se génère comme ça, en fait. Il a un métier, une apparence, un objet sur lui un petit peu personnel, et une interaction avec vous qui va se créer. En plus de ça, vous avez des idées d'apparence, de motivation, des traits pour l'incarner, un secret qu'il peut avoir, des relations à mettre en scène. Ça peut vous servir pour un PNJ, pour un PJ, voilà. Ce sont plein d'idées que vous pouvez combiner sur ces cartes. Je vous ai dit, hein, des tarots comme ça, il y en a, des cartes de tarot comme ça, il y en a 200. Encore des mots clés à la fin pour vous aider à trouver des inspirations. C'est vraiment le Graal pour de l'improvisation ou pour du solo. Ces cartes-là, vous avez des résultats de dés, d'accord? Donc 1 sur 2, jaune ou noir, blanc ou noir, 1 ou 2. Des 4, des 6, des 8, des 12, des 20, voilà. Vous avez tout qui est dessus. Moins, plus, si jamais vous avez besoin d'un des moins, d'un des plus. Ce sont des cartes tout en un. Véritablement, c'est très surprenant parce que c'était pas du tout mon truc à la base. Et véritablement, j'ai accroché à ces cartes-là, et aujourd'hui, je les utilise beaucoup, même pour des parties avec mes joueurs et mes joueuses. Je m'en sers pour générer de l'interaction, pour générer des choses d'imprévues, ou pour générer un petit peu d'improvisation, ces cartes-là. Et pour le solo, elles se suffisent à elles-mêmes, hein. Vous avez votre système, vous pouvez même jouer... Vous jouez à Knight, vous jouez à Chin, vous jouez à ce que vous voulez, et vous avez ces cartes-là à côté, et ben, elles fonctionnent très bien. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est très orienté... Médiéval fantastique, crypte, conteur, d'accord. Ben, ça s'adapte. Un conteur, c'est quelqu'un qui va raconter quelque chose. Logique. Ça peut être un journaliste, dans un monde d'aujourd'hui, ou ça peut être un écrivain, de romans de jeunesse, ou de BD, par exemple. On va en tirer une autre, tiens, pour voir. Le moine. Le moine, ça peut être quelqu'un qui peut être tout simplement reclus chez lui, quelqu'un qui n'ose plus sortir. Un conspirationniste, par exemple, qui n'ose plus sortir. Le prince, on a dit, c'est quelqu'un qui commande, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, ça peut être le chef d'une multinationale, ça peut être le chef de la congrégation, de la corporation dans un univers un petit peu cyberpunk, ça peut être simplement le maire, le président, etc. Un duelliste, ça peut être quelqu'un, ça peut être un joueur d'échecs,
dans un monde d'aujourd'hui, ça peut être un... Ou, si on va plus loin, ça peut être un joueur de e-sport, de jeux vidéo, de façon professionnelle, de dueliste, voilà. Tout est adaptable, suffit de essayer de faire un gymnastique entre qu'est-ce qui peut se rapprocher de ça dans notre monde, et avec tout ce qu'il y a sur cette carte-là, les réponses, oui, mais, etc., ouvertes, les mots-clés, les actions, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer dans l'aventure et créer une aventure à partir de rien. Je vous ferai une démonstration dans la vidéo suivante, je partirai de Musée Oracle pour créer une histoire, on le fera ensemble. Un autre outil qui existe, que j'ai pas beaucoup utilisé, puisque j'utilise beaucoup Musée Oracle, c'est les 9 questions, moteur de jeu de rôle solo de John Fiore, qui a été traduit. Alors, voilà, ce sont que des numéros 10 que vous voyez là, pour la traduction et les relectures, hein, La Fils, Berserk, Gaël Sacré. Voilà, c'est le top du solo, qui sont collés à cette traduction, ça fait 10 pages, et en fait, vous avez 9 questions pour vous aider à gérer votre aventure en solo. Il vous propose des générateurs d'oracles, d'idées aléatoires, hein, comme, par exemple, Musée Oracle. Vous avez l'Error History Cube, le Zero Die, etc. Musée Oracle, d'ailleurs, qui est là. Le Mythic Game Master Emulator, etc. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, Musée Oracle, c'est créé par Saladin, Pierre Gavard Coligny, qui a créé également le petit guide du jeu de rôle en solo, et qui est aussi à l'origine, on va dire, du terme de solo rôliste. Hein. C'est la même personne, tout ça. Des ressources en anglais, et puis voilà, les questions, elles sont là, elles sont parfois divisées en plusieurs sous-questions, mais vous avez tout ce qu'il faut pour vous guider en tant que MJ ou joueur, ou pour passer de l'un à l'autre, ça crée l'interaction, un jeu de ping-pong, comme ça, entre les questions et ce qui se passe. Je vous montre également le Mythic Game Master Emulator, c'est en anglais. Pareil, c'est un ouvrage qui va générer des choses, vous allez tirer des mots, des chiffres, des choses aléatoires sur des tables, de très grandes tables, et vous allez créer quelque chose à partir de ces mots-là. Voilà, aujourd'hui, bon, on a le Musée Oracle, c'est celui que je vous recommande, qui reprend un peu ce même principe-là et qui le présente différemment. Mais sachez qu'il existe, et on en parle souvent, vous pouvez tomber dessus, le Mythic Game Master Emulator. Il se trouve sur Drive-Thru. Pour quelques euros, et si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Vous avez toujours entendu dire que Magic, le jeu de cartes, avait tué le jeu de rôle, et ben c'est le moment de les réconcilier grâce à l'improvisation et au jeu de rôle en solo. Vous pouvez tout à fait prendre vos vieilles cartes Magic, ou même vos récentes, pour vous donner des idées grâce aux illustrations ou aux textes qui sont marqués dessus. Par exemple, on va prendre, vous avez besoin d'un personnage, pour tirer un, voilà, vous tirez un petit token d'humain, et ben vous allez peut-être vous inspirer du personnage qui est là, mais peut-être aussi de ce qu'il y a autour d'elle, de la ville qu'il y a autour, pour vous inspirer peut-être là où se trouve votre personnage, pour votre description de lieu. Qu'est-ce que le PNJ que vous rencontrez va porter, par exemple, voilà, vous inspirez du personnage qui est là. Vous pouvez tirer un lieu, par exemple, là j'ai tiré les Landes érodées. Ça va créer des choses, ça va éveiller quelque chose chez vous, quand vous cherchez des idées de lieu. Ou, alors j'ai tiré également un petit objet, c'est un œuf. Alors évidemment, il est brillant, on le verra pas. Voilà. Un œuf, voilà, si vous avez besoin d'un petit MacGuffin dans votre partie. Vous pouvez lire également ce qui a marqué en flavor text. Belle trouvaille, si vous tombez dessus. Mais mangez-le avant de rentrer au sanctuaire. Les gardes ne vous laisseront pas passer les portes avec. Voilà, ça peut être une accroche de scénario. Vous passez en même temps que quelqu'un qui est en train de passer un œuf mystérieux les portes de la ville. Il se fait arrêter, vous faites arrêter en même temps que lui parce qu'on pense que vous êtes ensemble. Par exemple... c'est dit par Danae, la chasseuse de Savai. Bah voilà, ça peut vous créer un PNJ. Danae, la chasseuse de Savai. Si vous n'avez pas de carte magique sur vous, mais que le principe vous intéresse, comme ça, de vous inspirer un petit peu d'un texte, d'une capacité, d'une image que vous avez sur ces cartes-là, parce que l'univers de Magic, il est très très poussé, il est très très réfléchi, et les illustrateurs qui travaillent dessus, ils sont proprement monstrueux, ils sont très très forts, très très bons, donc pour l'inspiration, c'est génial. Vous avez un site comme par exemple Playin, qui est créé par Magic Bazaar, qui vous permet de tirer, pas vraiment aléatoirement, mais de trier, de sortir les cartes qui vous intéressent. Par exemple, j'ai besoin d'un lieu. Je vais donc dire que j'ai besoin d'un terrain, pour m'en inspirer. Un terrain, je vous conseille tout ce qui est mythique et rare. Pourquoi ? Parce que mythique et rare, c'est les plus grosses raretés dans les cartes Magic. C'est souvent les cartes très importantes, qui sont très bien illustrées, qui ont un texte d'ambiance, parce que c'est des cartes particulières dans une extension. Un terrain rare ou mythique. Après, si vous voulez vraiment du top, vous mettez légendaire, si vous voulez. Et vous recherchez. Voilà. Et là, il va vous sortir toutes les cartes qu'il a dans le filtre que vous avez donné. Donc, vous voyez, des terrains légendaires, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 38. Et vous pouvez en prendre un, par exemple celui-ci. Hop, vous l'ouvrez.
Et vous voyez que vous avez la carte en un peu plus grand avec la traduction, ce qui peut vous permettre comme ça d'avoir de l'inspiration. C'est un château qui fait un petit peu asiatique, mais vraiment un tout petit peu. Oui, ça vient de Kamigawa, hein, donc c'est une extension asiatique. Quand vous l'inclinez, il rajoute un mana blanc, et vous pouvez l'incliner également pour prévenir de deux dégâts à des dommages qui pourraient être donnés, qui pourrait être fait, infligé, à une créature légendaire. Ça peut être intéressant, ça, de voir qu'en fait, c'est une forteresse, ce château est une forteresse qui va protéger une créature légendaire. Qu'est-ce que c'est, cette créature légendaire? Qu'est-ce qui est protégé à l'intérieur? Qu'est-ce qui est retenu à l'intérieur? Peut-être un œuf de dragon, par exemple, des créatures ont disparu. Il reste un œuf de dragon qui est dans ce château. Vous avez un petit texte, ensuite, qui est en dessous, que vous voyez là. Alors, depuis que la guerre a commencé, le château est le seul lieu où les Kami n'ont pas posé de pied. Ah, c'est intéressant, ça. Ça peut vous servir aussi d'inspiration. C'est le dernier lieu où les dieux n'ont pas encore accès, par exemple. Les dieux voudraient peut-être pouvoir entrer à l'intérieur et avoir la mainmise sur tous les lieux du monde, par exemple. Ça, ça vient juste d'une carte qui peut vous donner une inspiration pour démarrer un scénario, ou peut-être que dans votre quête, que dans la partie de votre aventure que vous jouez, vous avez besoin d'arriver à un endroit spécial où vous allez vous établir pour jouer un petit peu, ben voilà, vous avez par exemple ce lieu-là. Alors, ça marche pour plein de choses. On va revenir en arrière, vous pouvez, voilà, vous avez par exemple des enchantements, des créatures, des artefacts, vous n'êtes pas obligé de cocher légendaire si vous voulez plus de choix, par exemple. Hop, on va dire, ben on va repartir sur des lieux. Rare, mythique, terrain, je recherche, là, vous allez voir, voilà, on a beaucoup, 395, bah, vous vous dites, voilà, j'en ai 20 sur la page, il y a 17 pages, je vais lancer un double des 20, mettons, par exemple, et je vais aller à la page où ça m'indique, mettons que mon double des 20, il m'indique 3, 17, ben, je vais aller page 3, et je vais prendre la 17e image, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, le champ des morts, quelle horreur, quelle douleur pour tous ceux qui ont joué à Magic récemment, le champ des morts. Voilà, le champ des morts, vous avez cette illustration avec, voilà, c'est encore une fois, ce terrain totalement désert, fracassé en son milieu. Le champ des morts arrive engagé. Chaque fois que le champ des morts, l'autre terrain arrive sur le champ de bataille, si vous contrôlez au moins 7 terrains, vous créez un jeton de 2 noirs zombies. Et ben voilà, c'est un lieu où les zombies sortent. C'est un lieu d'où viennent les zombies, envahis par les zombies. Ça peut vous créer votre scénario de base. Et vous avez la possibilité, évidemment, de chercher des objets comme ça, pas forcément que des lieux, et même des personnages. Par exemple, vous pouvez chercher un artefact, rare, mythique. Et voilà, et vous allez trouver vraiment des objets, forcément un petit peu magiques, qui peuvent vous servir comme accroche de scénario, par exemple. Là, on a un tapis volant. Et c'est pareil pour les créatures, hein, si vous avez besoin, hop, créature, rare, mythique. Il y en a beaucoup, forcément. Vous en tirez une au sort, et ensuite vous vous servez de l'illustration ou du texte qu'elle possède pour vous inspirer une créature que vous rencontrez, ou un PNJ que vous rencontrez, voilà. Donc les cartes magiques, très intéressant, que ce soit l'illustration, la capacité qu'elles ont, peut aussi vous inspirer des choses, et le texte qu'elle possède, tout cela peut servir votre imagination, peut servir à créer des rebondissements, à répondre à une question, qu'est-ce que je rencontre dans la forêt? Voilà, mon hydre. Ou alors, le petit texte qui est en dessous peut vous aider à créer une accroche de scénario, une petite intrigue. Sachez que les couleurs peuvent vous aider, par exemple, vous savez qu'avec le vert, vous avez souvent des créatures plutôt liées à la nature, le bleu, les créatures un peu plus magiques, etc. Sans entrer dans les détails, je ferai peut-être une vidéo à part pour ça, mais voilà, sans même connaître Magic, vous pouvez faire quelque chose avec ces cartes-là, elles peuvent vous inspirer. Un dernier outil qui peut vous intéresser, je m'arrêterai peut-être là, c'est le Random Dungeon Generator. Alors forcément, c'est beaucoup plus orienté vers tout ce qui est Donjons et Dragons, surtout celui-ci. Mais en gros, vous allez donner des paramètres pour créer un donjon aléatoire. Non seulement vous aurez sa forme, mais aussi vous aurez ce qu'il possède. C'est très très bien fait. On peut lui donner un nom, par exemple, coucou YouTube. Le niveau du donjon de difficulté, s'il a un motif particulier, je sais pas, Undead par exemple, hein, les morts vivants, le style de la carte, allez, plutôt sable, qu'est-ce que vous voulez comme forme de carré, de triangle, etc. pour la grille, la taille, plutôt petit, la taille des pièces, petite, est-ce que je veux un étage, est-ce que je veux pas d'étage, des corridors, voilà, je construis, construct, et voilà, il me génère mon donjon. C'est quand même assez grand, hein, même pour quelque chose que j'ai voulu un petit peu petit. Et là où c'est génial, c'est que chaque pièce, vous le voyez, on peut cliquer dessus,
pour obtenir des informations. Vous avez des portes, déjà, fermées, ouvertes, est-ce qu'il y a un piège ou pas, tout est, est-ce que c'est secret. Du coup, est-ce que mon personnage le voit, je vais faire un G. Et quand vous entrez dans une pièce, vous voyez, quand il y a deux façons de rentrer, je clique sur 4, et j'ai l'entrée Est et l'entrée Ouest. Comme ça, vous ne spoilez pas trop. Vous voulez rentrer par l'entrée Ouest, bah vous descendez, vous regardez entrée Ouest, ça amène à la salle numéro 6, est-ce qu'il y a un truc que je n'ai pas vu. Cette salle, je fais un G, qu'est-ce que je trouve? Il n'y a rien. Je peux passer à la suivante en passant par l'entrée Est. Je remonte sur ma carte, hop, l'entrée Est, elle est ici, par exemple, mettons, hop, je vais passer par là, j'ai mon corridor, je vais arriver à l'entrée, à la pièce numéro 32, je clique dessus, qu'est-ce qui se passe dedans? Oh, il y a un monstre! Un troglodyte zombie, oh, c'est extraordinaire ce truc-là. Et, en plus, il y a toutes ses caractéristiques, tout ce qu'il possède, tous ses talents, tout est dedans. Il y a tout ce que vous pouvez trouver, ça vous génère vraiment un donjon aléatoire de A à Z, très sympa quand vous êtes en groupe, et c'est également très utile quand vous jouez en solo. Faut juste essayer de pas trop se spoiler les c'était en dessous, mais c'est très utile et ça fonctionne si c'est votre trip, hein, le solo, le donjon en solo. Allez-y, c'est fait pour ça. Je termine cette vidéo en vous présentant quelques ressources qui vont vous parler du jeu de rôle en solitaire. Si vous souhaitez aller plus loin, avoir plus d'informations, avoir d'autres avis, c'est pas des ressources pour vous aider techniquement à jouer dans une partie. Ce ne sont pas des oracles, c'est plus des voilà, des sites qui répertorient un petit peu le jeu de rôle en solo sur lequel vous pouvez en discuter. Vous avez C'est pas du JDR de Mathieu B qui vous parle des jeux de rôle sans MJ et donc forcément des jeux de rôle en solitaire. Je vous mets l'article en description. Vorgreen, de l'autre côté de l'écran, qui fait du JDR en solo, qui fait pas mal de Donjons et Dragons notamment, qui fait des campagnes officielles et qui va faire un petit peu de The Sprawl je crois aussi et d'autres jeux. Bon, je vous mets son blog en description, il vous fait des rapports de parties écrites, comme ça vous voyez un petit peu comment lui le fait. Le podcast de l'Arpenteur de Sandrone, où il va interviewer des personnalités en quelques minutes sur sa pratique du jeu de rôle en solitaire, et qui va faire des retours sur ses pratiques à lui, les jeux qu'il a testés lui, comment on y joue, qu'est-ce qu'il a ressenti, ce qu'il a aimé ou pas. Bon, c'est très sympa, ça dure pas longtemps à chaque fois, et c'est de très bonne qualité. Il y a une table ronde sur le jeu de rôle en solitaire, introduction au jeu de rôle en solitaire, avec, encore une fois, que le numéro 10, que des élus, sur cette table, de très très bonnes personnes pour le jeu de rôle en solo, donc je vous conseille cette table ronde, très intéressante. Il y a également un serveur Discord, dédié au jeu de rôle en solo, que je vous mettrai en description. Il n'y a que des gentilles personnes à l'intérieur qui sont prêtes à vous aider, si ça vous intéresse. Surtout, n'hésitez pas, c'est très intéressant. Salut, c'est le KFR du futur. Juste pour vous dire qu'entre le tournage et le montage de cette vidéo, Gaël Sacré a sorti des super articles sur le solo, que je vous mettrai en description. Oh, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel univers vous voudriez voir pour la partie pratique, la troisième vidéo. KPDP, Star Wars, japonisant. Vous me dites, j'en tirerai un au sort et je ferai une pratique en solo pour vous montrer comment ça marche. Faut qu'il y aille. Oh, et je vous rassure, de là d'où je viens, tous les financements participatifs ont été livrés, hein. Sauf un. J'ai pas le droit de vous dire lequel. En attendant, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires, sur les forums que je vais vous mettre en lien, sur le Discord, surtout n'hésitez pas. Si ça vous a plu, le petit pouce, partagez, vous connaissez le truc. Je vous retrouve bientôt, je vous salue bien bas.